Yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Dofus. Donc on va essayer de s'améliorer sur le roublard. Donc on va lancer un petit colisum, il y a un combat qui a été trouvé. On tombe contre un Uppermage niveau 46. Niveau 46, il a 20 niveaux de plus que moi. On va voir ce que ça donne. Oh il a un stuff, ça a l'air d'être une petite mule lui aussi. Quoique. Enfin bon, en tout cas il est level 46, on va essayer de s'améliorer. Est-ce que j'ai mis les Dofus? Ouais j'ai tout mis, c'est bon. Ok, donc j'ai l'initiative, ça c'est cool. La map est pas trop mal. Est-ce que les Uppermages peuvent nous lancer dedans? On va commencer par mettre une bombe ici. Je pense que c'est pas mal. Ok, on va commencer par ici. Et on va passer notre tour tout simplement. Il n'y a pas grand chose à faire, bas level. Bon, on va essayer de s'améliorer. J'ai lu vos conseils sur ma dernière vidéo. Je sais que je suis vraiment pas ouf en roublard, donc j'ai un peu désolé pour ça. Il est en 8-3, donc ça c'est plutôt cool. Hop. On va commencer tranquillement par faire son petit jeu de bombe. Ok. Il a 3 PM, il a 600 points de vie. Bon, il est level 46. On devrait pas avoir trop de mal, je pense. Fait. Il réfléchit. Ouais, je disais sur la dernière vidéo, j'ai vraiment pas été vraiment ouf. Donc je vous prie de m'excuser, vraiment le roublard je le maîtrise pas du tout. Donc il va falloir un peu de temps avant que ça soit le cas. Hop là, nos bombes sont prêtes. Il va falloir faire très attention qu'ils nous mettent pas dedans. Bon là clairement s'il prend le mur, il est mort. Avec si peu de vie, c'est un one shot. Selon où il se met, je pense que je peux. Là, je pense que je peux le tuer. Ok. Je pense que je le tue ici. On va essayer. Bon, je vous promets rien, mais je pense que ça le fait normalement. Mettre un blabot ici. Hop. On va bot. Ici. Et normalement, c'est le GG wellplay. Aspirateur, poussette et GG wallplay. Bon, premier combat ultra facile. On va enchaîner directement sur un deuxième combat parce que celui-là il n'était pas vraiment représentatif. Hop, cote Mac 1355, ma cote elle a encore monté. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour le prochain combat. Voilà, deuxième combat a été trouvé donc on va le lancer. J'espère qu'on va pas tomber contre un truc trop fort. On tombe contre, ok, un Osamoda niveau 43, c'est pas ouf. Niveau 43, je pense qu'on va se faire défoncer. Y a beaucoup de ça, hein, même bas level. Salut à toi. Bonne chance. Ok, on est parti. Ça va être complexe. On va faire ça. On va faire ça. Hop, directement, on va placer la petite bombe. Ok, ça passe en dragonnet. Ah, il a le dragonnet. Du coup, les invoques vont taper deux fois. Ça va être directement beaucoup plus difficile. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va bot cette bombe. On va en mettre une ici. Hop. Et on va passer notre tour, tout simplement. Ok, les Osa qui jouent en mode dragonnet, c'est assez compliqué parce que bah, les invoques tapent deux fois. Ok, donc là il va essayer de tuer ma bombe. Tofu, faut que je tue les invoques assez rapidement. Après il contrôle pas donc. Ok, ça va quand même taper la bombe, ok. Ok, parfait. Ah, ça c'est cool par contre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement ça. Allez, hop, tu dégages. Hop. Faut que je fasse très attention où je me place en fait. On va rester ici. Après, selon où il se place, je vais pouvoir le blabot. Ok. Double bouffe tout. On va foudroiement.
Allez, le modfuck est vraiment compliqué. On va foudroiement tout simplement. Boum. Ça fait pas mal de dégâts. Essaye avec la famille, je la tue. Ouais, je le tue. Parfait. Voilà, ça c'est cool. On a quasiment tué tous les bouffe-tout. Bon, selon où il se met, je vais pouvoir faire quelque chose. Ok, il se place bien. Tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Faut que je fasse gaffe parce qu'il a forcément... On va aimantation. Ah, je peux pas le faire. Je suis un débile. On va mettre une KO, tant pis. Hop. Ok. Donc là, il faut qu'il remette son dragonnet, son invoque. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Il va passer ses PA à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok. On va faire ça tout simplement. Et on va commencer à taper cette carotte qui nous gêne. Hop. Il n'a pas de reste feu, donc ça c'est plutôt pas mal. Il a combien de PM? Il en a 3. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Eternity later. 3 days later. Bon, après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de combat, on arrive presque à la fin. On va continuer de le taper, il lui reste 140 PV. On est vraiment très très proche de la victoire. Malheureusement là le tofu va pouvoir me repousser assez loin. Ok, bouffe tout. Ah cool. Il me rapproche, ok. J'ai le foudroiement de retour. C'est chaud. C'est vraiment chaud, faut que je tienne encore un peu. On va foudroiement tout simplement. Ouah, c'est chaud, faut vraiment pas que je perde maintenant. Faut que je me débarrasse des bouffe-tout, c'est eux les plus gênants. Il lui reste 140 points de vie, je vous dis pas, comme le combat est long, ça fait 44 tours que j'y suis. C'est insupportable cette classe, voilà pourquoi j'ai arrêté le jeu. Pour ceux qui me demandaient. C'est juste injouable. On va foudroiement, hop, ça fait pas mal de dégâts. Hop. Voilà. C'est déjà pas mal. Aïe aïe aïe. C'est compliqué. Aïe aïe aïe. Il va tenter de me tuer. Ah, je pense pas qu'il me tue. J'ai quand même 600 points de vie. Même en tapant deux fois. Ah, c'est chaud. C'est vraiment très chaud. Non, je pense pas qu'il me tue. Ah, lourd. Ça, c'est parfait. Il a 240 chevilles. Est-ce que je le finirai pas là? On va continuer de se soigner. Voilà, c'est parfait. Ok, donc là, on craint rien. Il lui reste 124 points de vie, les potes. On peut le faire, on peut le faire. Ouah, c'est vraiment chaud. Ah, putain, il a encore son tofu de dû. Ah, c'est vraiment très chaud. Franchement, ok. Donc là, il a mal joué, par contre. Pourquoi il a fait ça? What the fuck? Ok, lourd. En fait, pour vous dire la stratégie que j'ai adoptée, je me suis rapproché de lui grâce à ses tofu. Mais je sais pas si ça va suffire, malheureusement. C'est vraiment très très chaud. On va essayer de se régénérer comme on peut. Ah, je récupère en plus de la vita avec les points de bouclier. Ah, c'est vraiment chaud, hein, ça me ferait chier de perdre 124 points de vie. J'ai sauté la moitié du combat parce que franchement c'était pas intéressant. Mais là je pense qu'il a perdu. Ah, il a encore son bouffe-tout. J'ai ma libé, je peux peut-être le tuer. Je dis bien peut-être. Ah, il a un deuxième bouffe-tout. Attendez. Faut que je réfléchisse.
Ah, je peux le bloquer. Je peux le bloquer ce tour-là. Ça va peut-être le faire. Aïe aïe aïe. Les tofu qui font vraiment très mal. Et c'est la victoire, les potes. Ça fait plaisir. La victoire contre un Osamoda level 43. Ça fait vraiment extrêmement plaisir.